We have a very special guest by Mr. Alain Deneault, who is a professor of social science at the University of Quebec, who has also written Noir Canada, I would say Black Canada in English. And the book is mostly speaking about the abusive practices of Canadian companies, mostly mining companies in Africa. So those practices are resulting in corruption, fraud, and a lot of robbery of our richnesses, mostly in DRC. So with no holding of this podium, I will pass on to Mr. Alain Deneault to give us his speech. Thank you very much. Merci d'abord à Kalenda Freddy Kabongo pour l'invitation et toute la communauté congolaise de Toronto. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Je vous dirais que, au fond, je me suis intéressé aux enjeux africains il y a déjà plusieurs années, au moment où je faisais ma thèse, quand j'ai travaillé aux côtés de François-Xavier Verschave, un regretté économiste français, un africaniste qui s'intéressait aux relations france-africaines et s'intéressait aux anciennes relations entre, la métropole française et les anciennes colonies françaises et d'autres pays intégrés au giron de la France-Afrique. Je pense à l'Angola ou justement au Congo-Kinshasa. Et en faisant ces recherches sur les relations souterraines entre la France et les anciennes colonies, je me suis trouvé à tomber sur des cas canadiens. J'étais assez surpris parce que moi, je m'étais toujours fait dire que le Canada, c'était l'ami du genre humain, qu'on était capable uniquement du bien, que nous étions en fait des pacifistes invétérés, ainsi de suite. Et tout d'un coup, je me suis trouvé donc confronté à des cas d'abus de sociétés canadiennes allégués dans des documents sur lesquels je vais revenir. Donc ça, mon travail a commencé comme ça, donc c'est comme ça que je me suis mis à m'intéresser au Canada. J'ai situé ma démarche dans un cadre plus large que celui des seules études france-africaines, dans la mesure où mon champ de recherche porte sur ce qu'on pourrait appeler conceptuellement les législations de complaisance, c'est-à-dire, autrement dit, les paradis fiscaux, tous les paradis qu'on peut imaginer, les paradis fiscaux, les paradis bancaires, les ports francs, les zones franches, les paradis réglementaires, ainsi de suite. Et en m'intéressant à tout ce qui est offshore, quoi, on a entendu parler de ces législations, le Bahamas, le Luxembourg, Monaco, les îles Seychelles, Chypre, ainsi de suite, la Suisse. En m'intéressant à ces législations-là, je me suis rendu compte qu'au fond, le Canada est lui aussi un paradis. Mais c'est un paradis du domaine minier mondial. Donc, autant on se réfugie quand on veut dissimuler de l'argent à des autorités publiques, on se réfugie en Suisse ou au Luxembourg, autant quand on veut trouver des avantages dans le domaine législatif, quand on agit dans le domaine minier, autant on va vers le Canada. Et c'est ce qui m'a intéressé. Il faut voir qu'aujourd'hui, la question des législations de complaisance, des paradis fiscaux est centrale. La moitié du stock mondial d'argent est consigné dans des paradis fiscaux. La moitié des transactions financières internationales se font à l'abri des états de droit. Et il y a toute une culture au 21e siècle du contournement des règles de droit. Et je vais y revenir tout à l'heure. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment, dans ce contexte mondial de tous ces paradis, de tous ces états de complaisance, le Canada jouait un rôle dans le domaine minier. Le Canada joue un rôle dans le domaine minier et tout ça a donné lieu à des recherches qui vont se trouver concentrées dans un livre à paraître qui est Imperial Canada Inc. Cette année. Je vous dirais qu'au fur et à mesure que j'ai voulu travailler sur l'Afrique, au moment où je me suis penché sur le problème du pillage, de l'exploitation et de la corruption des élites sur le continent africain, au fur et à mesure que j'ai travaillé à comprendre ce qu'il en était de ces phénomènes de domination, j'ai été amené à étudier davantage le Canada que l'Afrique. C'est-à-dire qu'en voulant m'intéresser à l'Afrique, cycliquement, si on veut, je revenais ici. Je me disais, mais comment se fait-il que tel acteur canadien soit présent au Congo? Comment se fait-il que tel ancien premier ministre représente telle compagnie minière canadienne au Congo? Comment se fait-il que telle compagnie belge est cotée en bourse à Toronto? Comment se fait-il que notre agence de développement, l'ACDI, soutient telle société au Congo? Et à chaque fois, pour comprendre la réalité congolaise, il me fallait revenir sur les institutions canadiennes, les acteurs canadiens, la législation canadienne et même l'histoire du Canada, pour comprendre pourquoi tant d'acteurs canadiens étaient actifs dans cette guerre qui a été une guerre de pillage, une guerre de domination, une guerre de, qui a tourné autour des, du contrôle des ressources minières. Donc, je reviens à mes motivations. En tombant sur quelques exemples, à savoir que, oui, au-delà des anciennes métropoles que sont la France, l'Angleterre, dans une moindre mesure l'Allemagne, le Portugal, ainsi de suite, en Afrique, en analysant les relations entre l'ancienne métropole française et ses anciennes colonies, je suis tombé sur un certain nombre de cas qui m'ont fait dire qu'il y avait lieu d'enquêter sur le rôle du Canada en Afrique. Bon, qu'est-ce qu'il en est du Canada en Afrique? Ce faisant, je me suis trouvé confronté à un grand nombre de sources faisant état d'un grand nombre d'abus commis par un grand nombre de sociétés dans un grand nombre de pays africains. Les sources, quelles étaient-elles? Des rapports d'experts mandatés par le Conseil de sécurité de l'ONU au Congo, des témoignages faits à la Maison-Blanche aux États-Unis, le tribunal espagnol, des livres d'africanistes, des rapports d'institutions civiques comme Global Witness, Human Rights Watch, Amnesty International, des documentaires, ainsi de suite. Donc, il y avait un nombre formidable de sources qui témoignaient d'un nombre d'abus dont auraient été responsables, selon ces sources-là, des acteurs canadiens, sans qu'il soit question ici de subtilité anthropologique, c'est-à-dire on parle de corruption, de trafic d'armes, de relations d'affaires avec des dictateurs ou avec des seigneurs de guerre qui eux-mêmes étaient responsables de tueries massives ou de viols en série ou d'enrôlement de forces d'enfants soldats quand il ne s'agissait pas de cas de pollution qui entraînaient des problèmes de santé publique ou des problèmes d'évasion fiscale. Donc, ce premier constat, à savoir qu'il y avait cette documentation qui portait sur ce rôle, la société canadienne présente en Afrique en tant qu'elle commettait le pire, m'a donné la matière première de mon travail. Je donne un exemple, avant d'arriver à la question congolaise, je donne un exemple. En Afrique de l'Ouest, on a érigé deux barrages entre Manantali et Diama. Ces deux barrages ont été l'œuvre notamment de l'ACDI, l'Agence canadienne pour le développement international, qui a soutenu le projet coûte que coûte, bien que beaucoup d'experts en développement à l'échelle internationale, notamment des Suisses, des Danois, des Américains, mettaient en garde les partisans de ce projet contre ses éventuelles conséquences. Et effectivement, les conséquences n'ont pas manqué d'être désastreuses. Les barrages de Diama et de Manantali ont créé des débordements sur des terres arables, ont privé les populations de la possibilité de pêcher. Évidemment, l'élevage a été interrompu, sans parler d'autres problèmes, par exemple celui de la pêche, qui s'est trouvé considérablement compliqué. Les eaux sont devenues étales, de sorte que des nouvelles maladies se sont développées, et, la raréfaction des biens a provoqué des tensions au sein des différentes populations qui, bon an, mal an, arrivaient à coexister. Ça, c'était aux frontières de la Mauritanie, du Mali et du Sénégal. Donc, ces projets-là ont été, en fait, essentiellement avantageux pour des sociétés canadiennes en Afrique. SNC-Lavalin, Dessau, Texult, Roche, Sulter sont autant de compagnies qui ont eu des contrats importants pour travailler à ces barrages-là. Qui d'autre a profité de ces barrages-là? C'est une société canadienne, IAMGOLD, qui était membre d'un partenariat au Mali, appelé la SEMOS, et qui exploitait une mine à ciel ouvert. Cette compagnie-là s'est trouvée alimentée en électricité à partir des deux barrages qu'on a construits à Diama et à Manantali. Donc, au fond, pendant qu'on présente les projets, comme étant des projets de développement voués à soutenir les Africains, à partir de budgets d'aide publique, souvent votés en endettant les pays du Sud, on crée des infrastructures qui aident essentiellement les entreprises canadiennes à se développer dans le Sud. Et donc, ça a été le cas avec ce projet. Maintenant, le projet de la SEMOS, le projet minier qui tirait son énergie des deux barrages, a lui aussi été catastrophique. Parce que là, cette fois-ci, on s'est trouvé, par négligence industrielle, à polluer les seuls points d'eau potable. Il y avait notamment de l'arsenic dans les points d'eau, qui a provoqué des fausses couches en Syrie. Et à Yatela et à Sadiola, deux villes où le consortium sévissait, peut-on dire, au moment de faire certains rapports en matière de santé publique, il n'y avait pas d'enfants de moins de 3 ans parce que la mine était en fonctionnement depuis 3 ans. Donc, on voit donc, quel type de conséquences peuvent avoir ces projets dits de développement, et présentés souvent sur les sites internationaux, sur les sites Internet du ministère des Affaires étrangères du Canada comme des succès canadiens à l'étranger. On a contribué à ériger des barrages, on a contribué sinon par ailleurs, par exemple au Mali ou au Sénégal encore, à privatiser des chemins de fer au détriment des populations parce qu'on ferme les gares au public pour simplement faire du transport de marchandises comme à l'époque coloniale, ainsi de suite. Donc on s'est trouvé dans un contexte... L'exploitation, bon, moi avec l'équipe que j'ai formée, on s'est mis à lire sur ces choses-là et pour nous, évidemment, le comble du problème moral et politique que constitue la présence du Canada en Afrique, ça a été... la guerre des Grands Lacs. Donc, pour nous, ça a été le clou, si on veut. Ça a été le moment de prise de conscience là, de l'existence d'un problème dramatique en ce qui concerne la présence canadienne en Afrique. Je n'ai pas besoin de vous informer du fait qu'entre 1996 et 2003, si on s'en tient à une périodisation officielle, il y a eu, au Congo, une guerre qui a fait, directement ou indirectement, des millions de morts. Les évaluations oscillent entre 4, 5, 6 millions, selon les cas. C'est évidemment une donnée insupportable. On sait, quand on lit les rapports d'experts mandatés par le Conseil de sécurité de l'ONU ou le fameux mapping report de l'ONU de 2010 que les guerres ont été essentiellement motivées par le contrôle des gisements miniers. Au fond, on a bien voulu nous dire parfois qu'il s'agissait de guerres ethniques, de guerres tribales, entre des sauvages qui s'entretuent au fond d'un tunnel et qui ne restaient plus qu'à circuler. C'est évidemment une diversion qui n'est pas sans reposer sur une certaine approche raciste des enjeux africains. Et ce qu'il y avait en cause, c'était le contrôle de gisements miniers qui était en quelque sorte offert aux grandes entreprises qui souhaitaient profiter du sous-sol congolais excessivement riche. Donc, des sociétés minières et dans une moindre mesure pétrolières mondiales se sont trouvées à se présenter dans les années 1990 au Congo comme les partenaires commerciaux d'acteurs politiques qui étaient en guerre ou s'apprêtaient à entrer en guerre dans un contexte très tendu. Comment peut-on résumer la situation? En 1990, le pouvoir de Joseph Mobutu est fragilisé. Ses alliés tendent à le lâcher, alors qu'auparavant, il était devenu un acteur corrompu, devenu corrupteur. C'est-à-dire que pour financer les caisses noires de partis politiques en Europe et aux États-Unis, on devait passer par Mobutu parce qu'on l'avait tellement corrompu que c'était ensuite par lui qu'on pouvait avoir des retours. Mais peu à peu, pour des raisons là, qui seraient longues à détailler, mais on peut lire des livres d'histoire sur la question, Mobutu a perdu l'appui de ses soutiens essentiellement belges, français et états-uniens. Et tout ça aussi a à voir avec la chute du mur de Berlin, la tombée de la menace communiste, et ainsi de suite, c'est-à-dire une transformation géopolitique importante en Afrique. C'est aussi le moment où la Banque mondiale et le Fonds monétaire international font pression sur Mobutu, dont le régime est kleptocratique. Ce n'est pas à vous que je vais l'expliquer de A à Z. C'est-à-dire que c'est un régime qui procède de ponction dans les sociétés d'État pour financer une élite kleptocrate. Donc, le pays est à vau l'eau. Je veux dire, les régions ne sont même plus liées entre elles par un système routier digne de ce nom. Les entreprises d'État dans le secteur minier sont à l'abandon, ainsi de suite. Et donc, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, voilà l'occasion d'exiger de l'ex-Zaïre d'ouvrir son marché minier au domaine privé international, de donner accès aux entreprises privées à ce gisement, aux richesses congolaises. Et comme vous savez, il y a tout au Congo. C'est le seul pays au monde où tous les éléments du tableau périodique se trouvent dans un seul pays. Alors, il y a des diamants, il y a de l'or, du cuivre, du cobalt, du coltan, de l'uranium, du pétrole, tout y est. Alors, tout était en quelque sorte subitement à prendre. Le FMI, la Banque mondiale et les alliés de Mobutu, en quelque sorte lâchant le kleptocrate, en quelque sorte en promettant aux sociétés intéressées par le sous-sol congolais un accès possible à ces ressources-là dans un contexte politique extrêmement fragile où les institutions sont corrompues, où il n'y a pas vraiment d'état de droit qui vaille, où les règles du jeu ne sont vraiment pas claires, ainsi de suite. Donc on se trouve dans un paradoxe, c'est que tandis qu'on est en présence d'une des populations qui est une des plus pauvres au monde, on est dans un pays qui est un des plus riches au monde. Et la chose perdurera ainsi. Pour dire la chose simplement, et là, il faudrait y aller au cas par cas, là, mais d'une manière générale, on peut dire que ce contexte-là a été explosif dans la mesure où, par l'entremise de communautés nombreuses, de partis nombreux, les sociétés minières ont pu chercher à faire main basse sur les ressources. Un des premiers signaux qui a été donné, c'est lorsque le président Zaïrois Mobutu a signé une entente cédant à la société canadienne Barrick Gold une concession de 82 000 km². 82 000 km², là, j'ai fait le calcul tout à l'heure, c'est 130 fois la superficie de Toronto. C'est Toronto, 130 fois, concéder à une entreprise en disant « Explorez, allez-y ». Ça a été le signal, selon le professeur, l'économiste Justin Kankwanda, hein, ça a été le signal d'un Congo offert à l'industrie minière. Dans ce contexte-là, s'est développé à l'est du Congo, une rébellion. Laurent-Désiré Kabila étant soutenu par des mouvements rwandais et ougandais, est parti à l'assaut de Kinshasa, mais pas directement, pas dans une optique politique, mais en zigzagant, en quelque sorte en prenant le contrôle de régions minières, et au fur et à mesure de son avancée, il signait des accords de concessions minières avec des sociétés étrangères, finançant ainsi sa guerre. C'est-à-dire qu'avant même d'être président du pays, en quelque sorte, il invitait des investisseurs à signer avec lui des contrats, leur permettant d'accéder à des concessions, d'obtenir des concessions, d'accéder à des gisements, de façon à pouvoir financer sa guerre. Évidemment, il s'agissait de gisements prodigieux. Et donc, les entreprises se sont trouvées, comme partenaires commerciaux, à signer des ententes avec des entreprises qui voyaient une possibilité de développement à long terme, alors que le belligérant, lui, gérait sa guerre, disons, à la petite semaine. Le but, c'était le plus rapidement possible d'avoir du financement et des armes pour renverser le régime de Mobutu. Donc la MFI, notamment l'American Mineral Field, une société minière canadienne, réputée en lien avec d'autres sociétés, a été un des soutiens présumés de Kabila. Et il y a donc des ouvrages qui supputent aussi que les autorités américaines n'étaient pas très loin dans cette montée de Kabila vers la capitale. Après la guerre, dont les dates officielles sont 1996, 1997, ensuite 1998, 2003, il y a eu deux guerres, hein, je vais y revenir tout à l'heure. Après la guerre, bien qu'elle se soit poursuivie sur un mode larvé, on peut dire qu'aujourd'hui, on est encore quand même sur une poudrière, hein, Christophe Lutundula, un parlementaire congolais, a été mandaté par le Parlement du Congo pour analyser la pertinence des contrats miniers signés en temps de guerre, et son rapport donnera lieu ensuite à une commission de revisitation des contrats miniers signés en temps de guerre. Et Lutundula a qualifié maint contrat signé dans ce contexte de la guerre comme étant léonin, comme étant abusif. Le contrat léonin, ça vient de lion, et prendre la part du lion. C'est-à-dire que l'État, qui représente en principe le bien public, signe des contrats avec des sociétés minières qui ne lui rapportent à peu près rien. C'est étrange. On donne tout à l'entreprise privée et on obtient à peu près rien, ou à tout le moins des promesses qui ne seront pas tenues, des miettes, ainsi de suite. Il observe d'ailleurs que très souvent les sociétés avec lesquelles les acteurs congolais en temps de guerre ont signé des contrats, les ont signés à partir de filiales dans les paradis fiscaux. Donc, ce n'est pas vraiment la société minière comme telle qui a signé l'entente, mais c'est sa filiale aux îles Vierges britanniques, c'est sa filiale aux Bahamas, c'est sa filiale aux Bermudes. Ce sont des États où existe le secret bancaire. Ce sont des États où il est impossible de connaître in fine, légalement, l'identité de ceux avec qui l'État a scellé des pactes. Donc, on est dans une sorte d'insécurité juridique du point de vue de l'État, dans même contexte lié à ces ententes léonines. Parmi les sociétés nommées, on retrouve plusieurs canadiennes. First Quantum Minerals, par exemple, voit la valeur de son action monter à Toronto du fait d'avoir obtenu une concession minière prodigieuse au Congo au fur et à mesure que Kabila monte vers Kinshasa. First Quantum Minerals est représenté à ce moment-là en Afrique par Joe Clark, qui est l'ancien premier ministre du Canada. London Group obtient à Tenkefungurume une mine de cuivre tout à fait exceptionnelle. Là aussi, pour une bouchée de pain, donc, considérant les standards. La société Emakson de l'Israélien Dan Gertler obtient un quasi-monopole sur la commercialisation des diamants congolais. Une fortune, 88%. Sans parler de l'American Mineral Field, de Kinross, et ainsi de suite. Ce qu'on a souvent de la difficulté à comprendre quand on veut s'expliquer l'intérêt que peut avoir pour des sociétés canadiennes le fait d'acquérir des concessions qu'on peut difficilement exploiter en temps de guerre, c'est que cette valorisation des acquisitions se fait à la bourse. Et pour comprendre la guerre du Congo, là, c'est un peu dommage, mais il faut pratiquement se donner rapidement un petit cours d'économie financière. Comprendre comment fonctionne la bourse de Toronto peut nous permettre de comprendre les mouvements sur le terrain en temps de guerre au Congo. Qu'est-ce que ça veut dire spéculer en bourse? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... Ça tombe bien, on est à Toronto. Habituellement, quand je fais un mariage, imaginez-vous qu'on est à Toronto. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis une société X. J'acquiers en temps de guerre au Congo un gisement, une concession là, de cuivre ou d'or ou de diamant ou de pétrole ou de coltan ou de cobalt prodigieuse. J'ai un géologue indépendant qui me dit « il y en a pour des milliards. 30 ans d'exploitation potentielle. Formidable gisement. Il n'y a pas encore une pelletée de terre qui a été faite. Mais on sait qu'il y a un potentiel économique grand. Alors, qu'est-ce que fait la société minière? Souvent, qui n'a même pas les moyens d'exploiter elle-même. Ce sont... quelques géologues, des affairistes, ainsi de suite, qui sont allés négocier. À Toronto, on dit « ça, c'est à moi. J'ai une concession au Congo et regardez, mon rapport indépendant me dit que sa valeur est de temps et de temps. Et donc, j'ai un potentiel économique inouï. » Qu'est-ce qui se passe le lendemain? L'action dont je suis propriétaire monte à la Bourse de Toronto. L'action que j'avais, qui se vendait à 4 cents l'unité, hein, et j'en ai des milliers dans mes poches, puis il y en a qui se transigent sur le marché, elle vaut plus 4 cents, elle vaut 1,25 $. Ouais. Tout ça n'est que de la spéculation. Le Financial Times, le Globe and Mail, ainsi de suite, vont parler de l'acquisition, il va y avoir des fascicules rutilants. Ce que fait dire à un Congolais éclairé, que j'ai cité déjà, c'est comme si on prenait un tableau dans un encan qu'on achetait à 1 $ et on allait le vendre ensuite dans un quartier riche de New York pour plusieurs milliers de dollars. On crée du capital à partir d'une transaction effectuée dans le contexte d'une guerre. Et on peut vraiment réfléchir sur le rôle des sociétés minières se présentant comme des partenaires commerciaux dans un contexte de guerre, on peut se demander si cette culture économique n'en est pas à inciter les belligérants à se battre pour être les intermédiaires de sociétés se présentant à elles. Quand Laurent-Désiré Kabila, 1997, en avril, si ma mémoire est fidèle, a pris le pouvoir, il avait signé des contrats, il avait fait des promesses, il a contresigné des contrats faits par, avalisés par Joseph Mobutu, et il s'est pris un peu au sérieux. Il a en quelque sorte oublié qu'il devait à ces soutiens-là sa présence à la présidence de la nouvellement baptisée République démocratique du Congo. Abusivement baptisée-t-elle, d'ailleurs. Il a créé, évidemment, certaines frustrations auprès de ses alliés qui ne trouvaient pas tout à fait leur compte dans les nouvelles mesures, les nouvelles politiques. Kabila cherchant à jouer le même jeu une fois au pouvoir, c'est-à-dire vendre des concessions pour assurer la stabilité de son régime. Et donc, entre 1998 et 2003, la guerre a repris, notamment entre d'anciens alliés de Kabila qui ne trouvaient pas satisfaction dans ses politiques, dans ses modes de gestion. Et là, on s'est retrouvé effectivement en présence de scènes horribles, de destruction de villages dans l'est du Congo, des morts en Syrie, la guerre, dans ce qu'elle a de plus sanglant. Et je pense que je n'aurai pas l'outrecuidance d'expliquer à vous tous qui êtes sûrement profondément émus par le fait de cette guerre, en quoi elle a été tragique. Des sociétés canadiennes Heritage Oil, notamment, une société pétrolière, Banro, dans l'Est, était présente au moment de cette deuxième guerre des gangs dans l'Est du Congo. Et les experts mandatés par le Conseil de sécurité de l'ONU, qui ont produit des rapports nombreux sur la question du contrôle des gisements miniers dans l'Est congolais, ont écrit en 2001 et 2002 deux rapports dans lesquels se trouvaient en annexe des sociétés qui étaient nommées. Et notamment, une de ces annexes portait sur les sociétés qui ne respectent pas le code d'éthique de l'OCDE en matière d'exploitation industrielle. L'OCDE, c'est l'Organisation pour la coopération et le développement économique. C'est quand même assez gentillet comme institution pour les entreprises. Là, on ne parle pas d'une grande utopie je veux dire morale là, quant à l'exploitation des biens et des personnes. C'est une sorte de code d'éthique minimal pour les entreprises qui agissent à l'échelle internationale. Bon, ben, dans cette liste de sociétés minières qui ne respectaient pas ce code d'éthique, ces principes, il y avait 8 sociétés canadiennes, dont Banro. Et les experts mandatés par le Conseil de sécurité disaient eux-mêmes, on n'a pas les moyens tellement d'enquêter au-delà, il faudrait que les États où se trouvent enregistrées les sociétés que nous nommons enquêtent sur elles. Donc, lire, en l'occurrence, le Canada par rapport à ces 8 sociétés-là. Les experts mandatés par le Conseil de sécurité de l'ONU demandaient donc indirectement au Canada d'enquêter sur les sociétés citées dans son propre rapport sur les raisons qui ont fait que l'ONU juge, bon, que eux-mêmes, experts de l'ONU, jugent qu'il y avait un manquement aux règles éthiques élémentaires. On s'est demandé, j'ai lu des rapports de Dominic Johnson, notamment du Pole Institute et d'autres rapports, on se demande dans quelle mesure Banro n'a pas été en lien avec des rebelles sur le terrain pour sécuriser des concessions minières qui lui appartenaient. Et dans quelle mesure, donc, le conflit, les conflits avec plusieurs fronts, c'est un conflit à fronts multiples très difficile à suivre, avec des belligérants très versatiles. Les alliances se font et se défont. Vous en avez sûrement entendu parler autant, voire plus que moi. On est dans un contexte très, très complexe où, où on se demande dans quelle mesure le but n'est pas tout simplement de sécuriser des gisements pour se présenter comme belligérant, comme l'intermédiaire des sociétés minières étrangères qui veulent contrôler les concessions et les obtenir. Et nous, on est parti de ça. Nous, je dis des gens avec qui j'ai travaillé, notamment Delphine Abadi, William Saché, on est parti de ça en disant, bon, mais si l'ONU demande qu'il y ait une enquête sur ces sociétés-là, inspirons-nous de cette demande et souhaitons que le gouvernement canadien, qui se dit démocrate sur toutes les tribunes internationales qu'on lui prête, qui se présente comme un ami de la paix, comme un concepteur philosophique des casques bleus, dire à l'échelle internationale, les gens en viennent à penser même que les Canadiens vont se coucher le soir avec un casque bleu sur la tête, ou dire, il y a une espèce de mythe du bon Canadien, là. Je veux dire, bon, ben, puisque le Canada se targue d'être si démocrate, si exemplaire, si pacifiste, eh bien, exigeons de lui qu'il crée une commission pour faire la lumière, non seulement sur les 8 sociétés qui sont citées dans le rapport de l'ONU, mais sur tous les cas qu'on est à même de recenser du moment qu'on a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, et qu'on s'intéresse un peu à la question, ce qui exclut à peu près tous les journalistes du Canada, mais qui n'exclut pas des citoyens avertis qui cherchent à s'expliquer les choses. Créons une commission. Bon, jusque-là, nous n'avions pas l'impression de dire quoi que ce soit d'abusif. Il y a des documents, on les cite, ils posent des problèmes, il y a des allégations sérieuses, créons une commission comme l'ONU demande de faire, et voyons-y plus clair. Ben, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que bon, moi, avec mes collègues, j'ai fait un livre dans le Canada qui s'est trouvé poursuivi pour 11 millions de dollars. Donc 2 poursuites que je qualifie pas. Là. Je parle pas ici des intentions, je parle d'un fait. Que des intellectuels demandent à ce qu'il y ait une commission d'enquête pour faire la lumière sur des cas présentés comme abusifs dans une documentation jugée crédible. Et la situation dans laquelle on se trouve, c'est que ceux qui ont avancé la proposition se trouvent sur le banc des accusés, en devant se défendre. C'est ça, objectivement, la situation. Pourquoi on en est là? Et donc, ça se pose plein de questions. Mais à partir de là, moi, je vais poser des questions sur... Forcément, quand on est dans cette situation-là, on s'intéresse beaucoup à sa législation. Moi, j'essaie de travailler sur l'Afrique. Ça fait 10 ans que j'essaie de travailler sur l'Afrique. J'en finis plus de me poser des questions sur le Canada. C'est toujours le Canada qui est là. Quand même, quand je me retrouve à lire des documents sur le Kivu, je vois des sociétés canadiennes qui sont là. Je vois des acteurs canadiens. Il y a Jean Chrétien qui passe. Il y a... Bon... Qu'est-ce qu'il y en est? Et... Ben... Plusieurs choses. Disons déjà du point de vue du droit, que selon Pierre Trudel, professeur de droit de l'Université de Montréal, la tradition juridique canadienne qui, vous savez, le droit, hein, qui hiérarchise les principes de droit, les principes en droit qui sont hiérarchisés, là. La tradition canadienne place la réputation des sociétés au-dessus du droit à l'expression. Donc, en fait, une société, une personne morale ou une personne physique, pour utiliser les termes fort problématiques du droit, ont un droit à la réputation qui supplante le droit à l'expression des citoyens, selon Pierre Trudel. Donc, 2 poursuites. La première... celle de Barrick Gold pour 6 millions de dollars a été présentée par la juge Guylaine Beaugé en août 2011 comme étant apparemment abusive, selon son expression, dans un jugement sommaire. Et elle estimait que la poursuite visait apparemment à intimider les auteurs. Et elle a incité les parties, c'est-à-dire nous et Barrick Gold, à régler hors cours notre différend. Elle écrit ceci: le procédé employé par Barrick peut constituer un abus, en citant une mise en demeure qui annonçait des dommages et intérêts substantiels avant la sortie du livre, 20 jours d'interrogatoire, réclamation de 6 millions qui est présentée par la juge comme une réclamation exorbitante et disproportionnée au regard de la jurisprudence québécoise. Et c'est d'autres points qui vont dans ce sens-là, de sorte que il y a eu un règlement et l'éditeur Éco-Société a accepté de mettre fin à la publication du livre pour mettre fin au règlement. Il y a une autre poursuite de 5 millions de dollars qui est que celle-ci était entamée en Ontario par Banro pour à peu près les mêmes passages. Plusieurs y ont vu ce qu'on appelle en anglais un SLAP, a Strategic Lawsuit Against Public Participation, Banro nous poursuivant dans une législation qui n'est pas la nôtre, l'Ontario, par rapport à un droit qui n'est pas le nôtre. C'est le common law et non le droit civil qui prévaut en Ontario, en nous forçant, alors que nous sommes des éditeurs et auteurs québécois, à nous déplacer ici, et on y a vu une sorte de stratégie qui consiste, c'est ça le SLAP, Strategic Lawsuit Against Public Participation, une stratégie qui consiste à utiliser le système de justice pour intimider des gens qui veulent participer au débat public. Pourquoi? Parce que quand on considère le poids que représente une poursuite judiciaire et les coûts qui sont engagés dans une défense judiciaire, les poursuites, la procédure judiciaire devient elle-même un châtiment. Être poursuivi est une punition. Chercher des avocats qui nous facturent là, 3, 4, 500 $ de l'heure pour des travaux qui durent des années, c'est une façon de comprendre qu'au fond, on n'a pas accès à la justice. Comme citoyen canadien, tout le monde, à partir de ses impôts, finance le système de justice, mais seuls les très nantis y ont accès. Donc, au fond, les contribuables se trouvent à financer les riches qui ont accès au système de droit en payant des impôts qui, en partie, contribueront à financer les institutions judiciaires. Et donc, très souvent, en étant confronté à la poursuite, on escompte que ceux qui participent au débat public vont renier leur dire, vont s'excuser, vont arrêter. Et c'est pour l'optique des slaps tels que décrits dans le contexte de cette poursuite ontarienne. Ma position là-dessus, c'est de dire qu'il n'y a pas deux débats par rapport à ces enjeux-là. C'est-à-dire, d'une part, une poursuite qui poserait des questions de droit, et d'autre part, des enjeux qui concernent l'Afrique et le Congo en particulier. Comme s'il y avait d'une part le droit, d'autre part la théorie du livre. À mon sens, tout ça est lié. Et c'est vrai au Canada, c'est vrai en France, c'est vrai ailleurs. Quand les Occidentaux se mettent à parler de l'Afrique, on voit apparaître des stratégies pour bâillonner le discours. Pourquoi? Parce que si les Occidentaux se mettaient à se regarder dans la glace par rapport à leur passé colonial en Afrique, ils ne seraient plus capables de tenir le discours élogieux qu'ils ont sur eux-mêmes. Il n'est pas possible pour la France, pour les États-Unis, pour le Canada, pour le Portugal, pour l'Espagne, pour l'Allemagne, pour la Belgique, pour ces pays-là, de se présenter comme des démocraties exemplaires, des modèles de civilisation, des pays pacificateurs, des États de droit, quand on considère, quand on regarde en face ce qu'on a fait à l'Afrique. Il ne faut surtout pas soulever ce problème-là. Et les politiques occidentales en Afrique sont l'inconscient de nos cultures économiques. C'est le lieu de tous nos refoulements. C'est le lieu où toute licence est permise. Rappelez-vous, par rapport à la question du génocide rwandais, là je ne veux pas entrer dans le débat complexe que ces événements tragiques constituent, mais rappelez-vous cette phrase qu'on prête à François Mitterrand qui a dit « Vous savez, dans ces pays-là, un génocide, ce n'est pas la même chose. » Je pense qu'on en est encore en Occident au stade dont parle le philosophe africain Achille Mbembe, à savoir qu'on n'a pas encore accepté vraiment en Occident que les Africains sont des êtres humains, qu'ils ont un potentiel critique qui est légal de tout sujet politique mondial, et qu'on n'a pas à leur expliquer comment fonctionne la gouvernance, comment fonctionne la responsabilité sociale des entreprises, comment fonctionne l'économie de marché, comment fonctionne un budget. C'est pas vrai. C'est du colonialisme, c'est tout. Et on en est là. Et donc, on est dans une situation où quand on parle de la question minière par rapport à l'Afrique, quand on parle de notre rôle en Afrique, là on sent qu'on touche à quelque chose qui est de nature à transformer complètement l'image qu'on a de nous-mêmes, qu'on soit français, canadien, britannique ou belge ou autre. Si je reviens sur le cas canadien, pourquoi est-ce que c'est au Canada? Je vous ai dit, hein, plus je parle de l'Afrique, plus je reviens, plus j'enquête sur nous-mêmes, quoi. Pourquoi est-ce que c'est au Canada qu'il y a tant de sociétés minières mondiales? Est-ce que les administrateurs des... Qu'est-ce que les administrateurs des sociétés minières mondiales trouvent à Toronto pour y converger tant? Bon, c'est vrai que il y a une vie du soir intéressante, je ne sais pas, il y a des atouts, mais c'est quand même, il y a une drôle de coïncidence. Et, bon, je dirais que, bon, c'est parce qu'on a fait du Canada une législation avantageuse pour l'industrie minière mondiale, et je voudrais, si vous avez 10 minutes de patience encore, m'en expliquer. Déjà, moi, ça me fait très rire, jaune, mais ça me fait très rire quand j'entends tellement de Canadiens, surtout dans le domaine de la coopération internationale, se targuer que le Canada n'a pas de passé colonial. Pas de passé colonial au Canada. On n'est pas impérialiste comme les Américains, puis on n'est surtout pas comme les Français, les Britanniques, les Belges, etc. On n'a pas de passé colonial. Mais bien sûr que le Canada n'a pas de passé colonial. Il est un passé colonial. Le Canada est historiquement une colonie. Il est historiquement la créature des politiques impérialistes britanniques. Et nos institutions sont des institutions elles-mêmes intrinsèquement coloniales, qui ont consisté à soutenir des monopoles qui ont pillé les ressources naturelles. J'ai tendance, et c'est ce qui m'est paru clair quand j'ai lu sur l'histoire de votre pays, il m'apparaît clair que le Canada, c'est le Congo de Léopold II réussi. Je veux dire, au fond, quand Léopold II a imaginé son Congo, qui était une propriété personnelle, qui se voulait une sorte de vaste zone de libre-échange où on pillerait les ressources, il a imaginé, au fond, ce que devenait, au même moment, au 19e siècle, le Canada. Un pays où on peut allègrement piller les ressources dans le domaine agricole, dans le domaine de la fourrure, dans le domaine des mines. Bon, et ça continue aujourd'hui. Regardez le plan Nord au Québec de Jean Charest, vous aurez exactement ça. Bon. Donc le Canada a été longtemps ce que, avec mes collègues, nous appelons un minéralo-État. Un peu comme on parle dans un tout autre contexte ailleurs de narco-État. Là, c'est un minéralo-État. C'est un État qui est dédié, fait et cause, à l'exploitation des mines. Ça a été ça, le Canada. Au détriment des Amérindiens qui étaient des colonisés. La classe moyenne canadienne aujourd'hui est constituée de descendants de colons, et les colonisateurs, c'était les grands investisseurs, la minorité riche, qui pouvait décider des politiques, et qui était constituée à la fois d'investisseurs et de politiciens, qui se renvoyaient la balle, tout à fait corrompus. On finançait le chemin de fer à la bourse de Toronto en spéculant sur les actions, et quand ça allait mal, ben, les spéculateurs qui étaient aussi au pouvoir comme gouverneurs ou comme ministres, ben, finançaient à partir des fonds publics les travaux publics qui se trouvaient à bénéficier aux actionnaires. Le Canada, si vous lisez, on est à Toronto, là, allez voir Christopher Armstrong, un penseur de l'économie canadienne. Le Canada est une fabuleuse œuvre de corruption politique. C'est le résultat de politiques tout à fait corrompues.